Bonsoir! Coucou Kaichou! Salut Scarcrow, salut Diable, salut Emeline, salut Fédéral! Coucou la Girarde! Bonsoir Évangéline! Alors si je fais sélectionner un chapitre... Donc logiquement, j'ai pris le DLC numéro 2, chapitre 2. Ouais, il est là. Il est là. Donc nous, on avait fait celui-là. Souvenez-vous, on avait fait celui-là il y a pas mal de temps. Ça doit faire quelques mois. Où on incarnait plus la petite fille jaune. On incarnait le petit garçon, là. Le petit Bieber. Et le petit Bieber, à la fin de ce DLC, il se fait capturer par le monstre. Et donc là, c'est censé être sa suite. Je sais pas. Je pense que c'est sa suite. C'est sorti il y a 3-4 jours, les Crozes. Je pouvais vous le proposer que maintenant. J'avais pas le temps. J'avais pas le temps du tout. Donc j'espère que ça vous plaira. Et puis c'est parti. Sélectionnez chapitre. Vous avez passé un bon week-end. Bah écoute, ouais. J'ai découvert un nouvel animé. Pas mal du tout. C'est Boku no Hero Academia. J'aime bien. Allez, let's go. Ouch. Ah, les petits lutins. C'est les petits lutins. Donc on a réussi à échapper au vilain monstre du premier chapitre de ce DLC. Est-ce qu'on a toujours notre lampe torche? Ouais, nickel. On va pouvoir s'éclairer un petit peu. Tu as fait une heureuse avec My Hero Academia Toshi. Ah non, mais j'adore vraiment. Je suis à fond dedans. Simplement, j'ai torché la saison 1 en une soirée. En une soirée et une nuit. Je l'ai torché. Bon, let's go. Du coup, on est toujours dans le bateau. Dans ce fameux rafio là. Oh! J'espère que le son est bon pour vous. Oh! Viens ici, salopère! Bon, alors eux, c'est des gentils. Hein, on est d'accord, les Crozes. Hein. Les lutins dans ce jeu sont sympas. Hein. Alors, faut que je me refasse au gameplay par contre, putain. Ça fait vraiment longtemps. Bah oui, mais je peux pas passer là-dedans, moi. Viens là, saloperie! Tu ne t'enfuiras pas! Tu restes avec moi! Et du coup, il est. Il est pas content. Je peux pas passer, moi, ici. Hein. Je crois qu'on est un peu trop gros. Est-ce que je peux le. Oh, je peux le prendre! Ah, mais oui, c'est vrai qu'on peut leur faire des câlins! Ah, d'accord! Oh, énorme! Ok, on va se servir des... On va se servir des lutins. Ouais, c'est ça, regardez. Je peux maintenant les porter. Excellent, ça. Hop là. Toshi déjà bloqué. Ah non, 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 vous inquiétez pas. Eh. Hey. Vous connaissez, non? Allez, attrape ça. Yes. Je t'aime bien, toi. Sympa, cette petite nouveauté, là. Alors, ici. Ah, donc à deux, on peut pousser, ok.
Nice. Bon, tu viens? Il était vraiment bien foutu ce jeu quand même. Hein? Oh, regardez, il y a des dessins sur le mur. D'ailleurs, quelqu'un qui squattait ici. Dans cette magnifique demeure 5 étoiles. Bon. Il y a un de nos potes qui est enfermé là-bas. Attendez, ça sent le monstre là, non? Allez, saute. Ah, tu peux pas? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux que je te jette sur la porte? Attendez, est-ce qu'il y a un truc derrière? J'entends des bruits derrière cette porte. Vivement le troisième DLC. Ah, il y aura un troisième DLC de ce jeu? Oh putain, attendez, c'est ça là. Ça bouge. Oh, il y en a un deuxième. Ok. Lui, on peut pas le tirer. Et lui, on peut pas le tirer. Bon. En janvier. Ah, cool. Dans pas longtemps. Yes, ok, donc lui, il a réussi. On va essayer de... Ouais, il faut qu'il soit deux. Du coup, je vais te balancer aussi. Va aider ton frère à pousser cette mallette. Nice! Et 2-3. C'est marrant, il y a plein de petits dessins sur les murs. Ah, de base, ils avaient confirmé 3. Ah, bah écoute, je savais pas. Allez hop, envole-toi! Bon. Ça nous a pas aidé à ouvrir cette porte, hein. Ah, peut-être qu'il faut que je pousse la caisse en haut. Non. Non. C'est un jeu de réflexion. Il faut réfléchir. Ah, regardez, il y a un petit passage ici. Eh. À tous les coups. Oh putain. Eh. Nickel. Qu'est-ce qu'on a chopé là? Un papier. Ok. Bon. Allons dans ce trou. Salut! Toi aussi, tu veux me faire un câlin? Allez! Ah non, il veut pas. Alors, le problème, c'est que quand on les prend, c'est logique que la. Qu'on ait plus de lampes. Je reviens au début là, non? Attends. Putain, je suis déjà perdu. Il y a 3 pièces dans le jeu, je suis déjà paumé. Hein. Et ouais, je reviens au début, mais si! Si, si, je reviens au début. Attendez. Putain, c'est un vrai labyrinthe. Attendez, réfléchissons. Les trois me montrent un truc ici. Regardez. Ils me montrent la porte. Et je peux pas l'ouvrir. Je suis pas assez haut. Et s'ils en jettent un, il va rien prendre. Ah.
Ah, j'ai le cerveau qui commence à fumer là avec Rose. Ouh là là, je sens que ça chauffe. Oh putain. Première énigme du jeu, on est déjà bloqué. Attends, c'est énorme. C'est énorme. Toshi défonce la... Ah non, bah non. Non, non, rien. J'ai rien dit. J'allais avoir une idée, mais... J'allais dire, peut-être qu'avec l'aide d'un lutin, on aurait pu pousser cette caisse. Non, me dis pas qu'il faut juste pousser la porte. Oh putain. Aïe 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 aïe. Mais oui, mais il faut le troisième, allez viens. Pourquoi il est parti se cacher lui? Je sais que je suis nul. Allez, viens m'aider. Oh putain. Et je cherche midi à 14h, hein, c'est abusé. Allez, aidez-moi. Yes! C'était très simple. Hein. Aucune difficulté. Hein. Bon, vous me suivez du coup? Allez, on y va. Go, go, go! Je comprends même pas pourquoi ils me suivent encore. Hein. Tellement je suis naze, franchement, et ils pourraient mieux se débrouiller tout seuls. Attention, je tire là-dessus! Ok. Les petits cailloux qui sont tombés. Pas les ramasser. Couper au montage direct. Ça, je coupe. Hein. C'est bizarre, cet endroit, il me dit quelque chose. Je crois qu'on y était déjà passé dans le... Dans le DLC. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Wow! Ah oui! Qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent du charbon. D'accord, ça alimente le bordel. Attendez, si je décide de... Oh putain! Ok. Ok, GG les gars! Bon bah continuez hein! Ok. Ça a ouvert des portes, ça a ouvert une échelle. On va monter. Au moins on sait comment ouvrir une porte maintenant. Bonsoir Dinx. Merde. Hop. Oh la mort con. Oh putain. Oh la mort con. Hop. Putain, je vois mal ou... Putain, attends, je crois que je vais mettre mes lunettes, hein. Je vois que dalle. Bon, qu'est-ce qu'on a ici? Ah! Dépendu, tiens. Alors ici, est-ce qu'on peut ouvrir cette porte en la poussant? Non. Ça fait un peu flipper, cette pièce-là. Je pense pas qu'on puisse ouvrir les portes. Bon, il y avait rien en haut du coup là, putain. Je suis mort deux fois pour rien. Ok, bon. On va aller par là du coup. En espérant que ce soit pas une impasse. Oh! Ah. Ah, il y en a un qui est coincé là-dedans. Hop! Allez, fais un câlin. C'est bon? Tu vas me suivre du coup. Ok. Oh, j'ai cru que j'étais encore mort. Trois âmes, allez, j'en veux plus. Ah, mais c'est les seuls que tu auras, diable. Ne plus laisser jouer Toshi avec la porte ou l'échelle. Allez. Ah ouais, putain, comme par hasard. Allez, viens là, toi, t'es où? Oh. Merde, putain, il me faut un lutin, les crocs, je peux pas accéder à...
au truc. Ah, je peux peut-être aller en dessous de ça par contre. Ouais. Ça, je le sens bien. Ouais, ok. Bon, là, ça sent la merde. Ouh ! Ouh ! À cette vitesse, il va falloir ressortir Rocky. Ah putain, Rocky. On sait jamais. Peut-être que Rocky refera son apparition ce soir. Hein. Qui sait ? En tout cas, merci Kaichu. Merci bien. Oh, attendez. Oh, 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 oh. Oh putain, merde. Enfoiré. Oh. Est-ce que tu peux venir ici ou pas? Ah non, il peut pas. Hein. Tu peux pas. Tu ne peux pas venir ici. Toshi perd ses nains de jardin maintenant. Le live tourne mal. Ça tourne mal, je perds mes lutins, les roses. Bon, faut pas marcher sur les bouts de cailloux. Retenez bien. Ne surtout pas marcher sur les cailloux. Ok, on est bon. Je vois... Merde. Ah, il est aveugle, c'est vrai, putain. Il peut pas nous voir. C'est chaud là. C'est très chaud. Putain. Pas de cailloux, pas de cailloux. Ok, tout va bien. Ok. Ok, est-ce qu'on peut monter là-dessus? Oui. Ok. Je flippe un petit peu. Merde. Oh putain, il m'a loupé ce con. Il m'a loupé. It's my chance. On monte. Woo. Yes, c'est bon. Oh la vache. Oh, attention, il met ses mains. Putain. Yes. Yes. On a eu chaud. Hein. Non, on a eu très chaud. Honnêtement, on a eu de la chance là. Muy bueno. Attention, faut pas que je me foire. Ouh, c'est bon. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Oh le con. Faut que je descende. First try. Qu'est-ce que c'est que ces trucs là? Je croyais que c'était des haltères. Le monstre aime bien faire de la muscu. Hein. Alors ici. Je l'entends, il est juste à côté là. À tous les coups, il va ouvrir une porte. Le fameux casse-tête des casiers, on connaît. Allez, c'est bon. Ok, nice. Hop, ici. Ok, ça, on va le pousser. À mon avis, ça, faut le choper. Ah, mais c'est peut-être ça qu'il faut mettre au levier. Ok. 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 Ah, ok. Ok. Et maintenant... Oh merde, 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 merde. Salut Gali. Bon alors là, ce qu'il faut, c'est pas marcher sur les cailloux. Vous le savez, les crozes. Vous le savez. Ah, faut vraiment y aller. Alors, ok. On va vraiment y aller lentement.
Exactement, Evangeline. Là, je pense que le DLC, ça se trouve... eh ben, avant, du coup... avant que le monstre, on lui coupe les bras. Donc c'est avant... 6. Exactement. Oh putain la vache. Ne pas marcher sur les cailloux. Oh. Allez, tire-toi. Oh putain. Faut que je passe là, hein. I have no choice. I need to go. Sorry, my boy. Il y a des cailloux ici, on fait attention. Tac, tac, tac. Allez, hop, on y va. Et bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Putain, on y voit que dalle. Des cailloux, attention. Ok, bon là on y va, pas le choix. Allez, 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 allez. C'est bon. Ok, nickel. Donc logiquement ici, on va pouvoir mettre... je crois, attendez. Ah mais non, en fait ça nous sert juste à... Non, attends. J'étais persuadé que ça servait à... Bah à mettre ça là-dedans quoi. Non. Attendez. Il y a Romy qui me dit que je vais mettre 30 minutes à piger le truc. Ça va être comique. Bon, c'est pas ça en tout cas. Moi, j'aurais dit de mettre ça là-dedans. Ah, ou alors faut le péter contre un mur. Et prendre la lumière à l'intérieur. Non. Oh putain, il y a un bouton là, non? Non, c'est une vis. Ok. Franchement, si tu trouves pas maintenant, c'est chaud, lol. Le levier, mais je peux pas l'atteindre le levier. Ah si. Ah merde, je peux. Ah ok, je pouvais. D'accord. Très bien. Oh mais je suis fatigué les creux. Je vous l'ai dit hein. Je vous l'ai dit en début de live, je suis fatigué. Alors m'en voulez pas. Vous savez très bien que d'habitude j'ai un flair hors du commun. Non. Ah mais lui il est mort du coup, putain il s'allume plus. Bon on va le prendre quand même. Ok, j'ai mis les lumières dans le trou. Faut le refermer du coup, non? Top. Je crois que j'ai fait une connerie là, non? C'est le mauvais trou, Tachi. Bon, on a des bouboules. Faut les remettre. Oh, mais faut les. Mais ça a servi à quoi là? Putain, je piche que dalle! Attendez, on a activé le levier. Les deux lampes sont sorties du machin. Et là, il faut les remettre. C'est quoi l'intérêt? Tout va bien.
Ouais, ok. Ah, je vais pouvoir aller là-dedans, c'est ça. Oh, d'accord. Ok, ok. Bon, les gars, je vous ai ramené un souvenir. Venez ici. Saloperie. C'est quoi, ça? Putain, il y a des trucs dans le chiotte. Je crois qu'il y a un bébé dans le chiotte. On peut pas tirer la chasse. Bon, ça, je m'en sors bien pour l'instant, non? Il est pas mal, là. Allez, une petite kékesse. My big burger! My big burger de Toshi! Yo! Yo 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 yo! Ah merde, putain, hey, il nous manque 3 poils de cheveux et on peut l'atteindre. Ok, donc on retient, il y a un levier à gauche. Ah, il y aura peut-être un petit lutin qui va pouvoir nous aider là-dedans. Ah, 2 petits lutins. Allez, venez là, les gars. Un petit câlin. C'est gratuit. Allez, toi, tu vas venir m'aider, toi. Toi, tu vas venir m'aider. Allez, va là-dessus. Bien. Alors, attendez. Si je lance... Ah non, il est trop haut. Non, ça va pas. Ok. Bon, suis-moi quand même. Je vais te trouver une utilité. Ok, donc ça, on a un truc. Allez, viens là, toi. Putain, il se cache. Attendez, je vais l'avoir. Je vais sauter au-dessus de lui, il pourra rien faire. Bah. Et viens là. Mais viens là. Putain, c'est la chaise musicale, là. Non, c'est pas toi que je veux, c'est l'autre. Allez, viens. Et il me fait chier, lui. Il est là. Faut que je le chope. Il est là. Ok, 3, 2, 1, let's go. Viens là! Ah, il veut pas, hein? Putain, il veut pas de mon câlin. Incroyable. Mais viens là, saloperie! Tu veux pas dire à ton frère de... Vas-y, prends le côté droit, je prends le côté gauche. Non, t'es trop con pour comprendre. Putain, mais ça aurait marché pourtant. J'avais un plan infaillible pour choper ton pote. Allez! Mais qu'il est con! Je vais pas te manger, hein. T'as vu mon corps de lâche? Je vais pas pouvoir faire grand chose, hein. Bon, je crois qu'on peut pas le choper en fait. Hein? Ça doit être ça la solution. On peut pas le choper. Hein. Non, mais sérieux? Il y en a un là-bas qui est en train de dessiner, là, mais... Ils sont tous tarés, hein. Ah bah voilà! Ok, donc là, faut que je me dépêche. Maintenant. Hop! Et maintenant, logiquement, j'attends. Et qu'est-ce qui va se passer? Hop! C'est ce que j'appelle... du talent! Et de deux. Il en manque plus qu'un. Bon, les gars, vous venez m'aider pour le troisième, là? C'est énorme. Ah mais, ok. Allez, venez. Il faut qu'on chope le dernier. Comment on va faire? Je crois qu'en fait on va passer énormément de temps à essayer de... À essayer de le choper, lui. Bon, là, c'est les deux que j'ai chopés, ok? Donc là, il sait pas où je suis, logiquement. Là, il sait pas où je suis, donc... Ah, mais attends, je sais! Faut que je me mette accroupi! Non? Ah, mais non. Non, non, même accroupi, m'entend. Comment on va faire, là?
putain, presque. Putain, c'est... Oh. Yes. Oh putain, il m'a aidé. Il y a un lutin qui m'a aidé. Il y a un lutin qui l'a bloqué. Énorme. C'est bon, on a réussi. On a réussi. Oui, je sais, il faut aller là-bas. Allez, on y va. Putain, je joue le père de famille, là. Allez! Au charbon! Saloperie! Hop là, ça dégage! Bon bah on s'en sort très bien là, allez, go charbon! Go la mine! Toi! Tu vas me faire le plaisir d'ouvrir ce levier. Merci! Allez, rejoignez vos potes, enfin vos frères. Hop. C'est par ici que ça se passe. Ah! Regardez, un beau travail vous attend là. Allez à la mine! Ah, c'est bien. C'est bien. Ils se mettent directement au boulot. C'est ça qu'on veut. Mais il y a l'autre qui fait n'importe quoi. Mais qu'est-ce qu'ils font? C'est énorme. C'est énorme. Si, je crois que j'en ai oublié un. Il y en a un qui s'est caché là-dedans. Viens là, saloperie! Toi aussi, t'y as droit. Go exploiter ces petits lutins comme dirait Seor. Ça va, attends, carrément. Regarde, ils sont tellement bons. Allez, regarde, le lutin, il y court carrément, quoi. Du coup, il y en a un qui travaille pas là-bas, putain, l'enfoiré. Je vais te fouetter, salopard. Va bosser. Allez. Bon, du coup, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Concrètement, je veux dire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ils sont 8 là. 2, 3, 4, ouais. Alors ouais, donc du coup il y avait les pendus en haut et j'avais rien trouvé dans cette pièce. Oh! Qu'est-ce que c'est que cette connerie là? Quelle est cette sorcellerie? Alors si je saute dessus. Oh! Yes! Bien joué, les creuses. Oh putain! Oh merde! Vite, bouge! Putain, on l'a échappé belle là. Enfin un peu d'action. Ok, il est toujours avec ses marionnettes lui. Depuis le début. Je peux plus bouger. Qu'est-ce qui se passe? C'est marrant, il a des toutes petites jambes. Ok, il va falloir que je monte en haut à mon avis. Vous êtes prêts? C'est maintenant. It's now, it's happening! Ah! Passe là-dedans! Ah, c'est vrai qu'il faut marcher sur les rideaux pour pas se faire entendre. Complètement oublié ce truc là. D'accord. Donc je fais du bruit à gauche et il arrive à me choper au milieu. Ok, bon. Ah, c'était peut-être pas le bon moment pour ouvrir la trappe en fait. Est-ce qu'il y a des rideaux sur le... Non, il y en a pas. Ah, merde. Okay, c'est bon. Ah, et c'est comme ça que je vais la voir, putain. Ok. Attendez. Il se passe des choses dans cette pièce.
Qu'est-ce que tu vas faire? Tu fais rien, ok. Je crois que j'ai activé un truc ici. But I'm not sure. We do verification this. Alors, j'entends un bruit. Il se passe forcément un truc là. Regardez, il y a un point et tout là. Il y a un truc à faire ici. Il y a un truc à faire ici. Ouais. Oh putain, le génie. Oh le génie! Yes! Avouez que vous êtes bluffé là. Oh monsieur rat. Monsieur les rats. On a bien géré là. Je trouve. Eh oui, il y en a là-dedans les crozes. Le jeu en a vraiment marre de le voir mourir, je crois. Ah putain, il y en a là, j'en reviens pas. Attendez, il va tomber tout seul. Oh énorme, il est tombé. Allez, viens là. Viens! C'est bien. Allez, maintenant tu viens avec moi et tu fais pas chier. Alors, ok, je crois qu'il faut revenir en arrière. Oh putain! Non! Ah, attendez, là, attendez, énorme. Énorme. Grosse référence au jeu de base là, il va se passer un truc là. C'est les caméras! Regardez! À tous les cons, on va peut-être voir Six. Non? Ça serait énorme. Si on voyait Six. Oh! Ah, cette déduction! Elle est là. Ok, donc ça se passe vraiment. Donc là, en fait, ce DLC se passe vraiment en même temps que le jeu de base. Ok. Très bien. D'accord. Bon, on va essayer de sauter là-dessus. Avec un peu de chance. Ça va être chaud. C'est bon. Ah, je vais baisser le wagon pour que le lutin aille dessus et après je le remonte. Ça, je le sens bien. Ça, c'est une bonne idée, ça. Alors, est-ce qu'il est monté? What? Ah, il faut que je le... Oh, mais attends, mais comment je vais faire là? Parce que... Oh, regarde, attends. Il y a un délire là. Parce que j'ai mis le wagon en bas. Donc forcément, je dois mettre le lutin sur le wagon. Le problème, c'est comment je fais pour redescendre, sachant que j'ai mis le wagon en bas. Et que l'échelle est là-bas. Je suis baisé? Ah d'accord, c'est peut-être ça, ouais. Effectivement. C'est pas con du tout, ça. Qui a dit ça? Gali. Gali, t'es pas con. Sans toi, je serai encore bloqué. Ok, nickel, allons-y, va. What? Putain, il y en a encore un, quoi. Ah non, mais le DLC est vraiment basé là-dessus, quoi, c'est... D'accord. Alors, il va me falloir de l'élan, sûrement. Allez. Non. Non. Allez.
Ah mais je peux aller dans les... D'accord, je peux aller dans les... Dans le charbon. Allez, viens là, mon pote. Viens, 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 viens. Putain, j'ai failli t'avoir. J'ai failli t'avoir. Oh, il y a un truc qui bouge. C'est quoi ça? Il y a un truc qui bouge dans le charbon. Je suis inquiet. Je suis pas serein, là. Putain, mais viens là, enfoiré. Allez. Et putain. T'aimes le charbon, toi, on dirait, hein. T'inquiète, tu vas en bouffer après. Allez, viens. J'arrive pas à l'avoir, j'arrive pas à le prendre. Oh, je l'ai eu. Ah, faut que je le... D'accord. Ok. Hop. Attends, non, j'ai besoin de toi, en fait. J'ai besoin de toi, viens, 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 viens. On va aller libérer ton pote, là. Il y en a un qui est bloqué ici. Voilà. Good. Eh, hey, les copains, on y va. Ok, donc là, logiquement... Ah, logiquement, là, ça passe pas. Merde. Mais non, descendez pas. Ah, nice. Muy bueno. T'es parti où? Bah viens. Il va sortir là. Il n'y aura pas le choix. Et voilà. Ah, toi aussi tu veux t'enfuir. Putain, mais ils veulent tous s'enfuir, hein. C'est un truc de ouf. Ok, on est au complet. Allez les gars, let's go. Donc là, il devrait y avoir aucun problème, logiquement. Si ce n'est... L'homme aux longs bras. Et aux petites jambes. 1, 2, 3... Putain, il en manque un. Oh putain, il en manque un. Je sais que t'as mal au ventre. J'en ai rien à foutre. Va bosser. Qu'est-ce qu'il fait? Allez. Ah mais il veut pas y aller, hein. Ah si. Attends. Ah ça y est. Aïe. Ok. Là j'imagine qu'il faut que je saute là-dessus. Putain, tout ça pour ça, les crocs, hein. Eh, 1h30 pour ça, hein. Merde, fallait que je shot, non? Ouais, c'est là, on verra bien. Ah! Bon, là, on va essayer de sauter quand même. J'ai pas envie de finir brûlé. Coucou, toi! Bon, alors. Oh. Bon, attention, hein. Il peut y avoir un monstre à tout moment. Fais gaffe. Ok, j'imagine qu'il s'est caché dans cette caisse. Ou pas. Ah non, il est là-bas. Je t'ai vu. Oh, mais vous êtes plein. Énorme. Vous avez mis... Oh putain, sérieux? 5? Sérieusement? Allez, aidez-moi les gars. Ensemble, nous pouvons vaincre. Ah mais d'accord, ils ont même pas besoin de moi, ils font tout sans moi. Nickel. Ok, est-ce que je passe moi? Ouais, je passe. Très bien. Oh putain, il y a du monde. Bon, c'est l'heure de la pause les mecs. On se réchauffe un peu. Putain, il y a du monde là. J'imagine qu'il faut que j'aille ici. Regarde les ombres. Ah, il y avait un truc à voir avec les ombres, attends. Regarde les ombres.
Ah. D'accord, en fait c'est des enfants. Enfin, leur tête est ronde, elle est pas triangle. Et regardez ici. Ben, je sais pas si vous verrez bien sur le live. Mais là, il y a... Enfin, ça ressemble à un enfant qui est assis, en fait. C'est marrant. C'est marrant, ça forme des ombres d'enfants, ouais. Très mystérieux. C'est les fantômes des enfants, ça doit être ça. Bon, allez, on continue. On n'a pas encore fini, on dirait. C'est très calme. Un petit ascenseur des familles. Ah, il va falloir que j'escalade de la corde. Nope. Nope. Oh ! Geisha ! Le boss final du jeu. C'est elle. Ah, putain, qu'est-ce qu'elle faisait flipper. Je me souviens. C'est le boss final du jeu de base. Ça se finit comme ça ? Non. Non, j'y crois pas. Oh ! Ça finit comme ça ! Elle nous a vus. Ah, tu crois qu'elle nous a vus ? Tu veux la bonne news ? Ah, je veux bien une bonne news. La suite, c'est en janvier, normalement. On m'a dit que c'était en janvier. On m'a dit que la suite était en janvier. Donc j'imagine que ça sera donc la suite de ce qu'on vient de voir. Et que donc... bon. Je sais pas ce qui a se passé, mais en tout cas, j'ai vraiment bien aimé ce DLC. Je crois que je l'ai préféré au premier. Vous voyez ? Je crois que je l'ai préféré au premier. Ouais. J'ai bien aimé celui-là. Bon. Bah écoutez, Croze. On va se laisser là, nous, du coup, hein. Fin du live, on aura mis 1h30, ouais, 1h30, donc c'est dans les estimations crozien, ce serait bien. Bah j'espère que ça vous aura plu les crozes ce soir, j'espère que ça vous aura plu ce petit live, ça vous aura fait plaisir. Je pense mettre une rediffusion, ouais, je pense mettre une rediffusion, merci de m'avoir suivi. Merci à la participation de Kaichou. Merci pour ton petit don, Kaichou. Ça fait vraiment plaisir. Merci beaucoup à toi. Et puis voilà. Moi, je vous dis à très vite, les crozes, pour le chapitre 3 de Little Nightmares. Et puis voilà. Donc, rendez-vous en janvier. Bon, bien sûr, il y aura des lives avant janvier. Hein, vous en faites pas. Ouais, du coup, je pense que je vais prendre Dark Souls. Là. Il doit coûter quoi ? Il doit plus être cher maintenant. Hein, il doit coûter quoi ? 10 euros ? Même pas. Du coup, je pense que je vais prendre Dark Souls et qu'on va on va essayer de jouer à Dark Souls, sachant que je suis très nul à ces jeux-là. Ça va être un peu une découverte. Enfin, une découverte. Non, j'ai déjà joué au 3. J'ai déjà joué à Dark Souls 3. Mais pas au 1 ni au 2. Donc voilà. On va essayer de se faire ça. Il y a aussi The Wolf Among Us. J'ai pas oublié Kaichou. Je n'ai pas oublié The Wolf Among Us. Il va falloir qu'on se le fasse aussi celui-là. Sur ce, les crozes, je vous fais des bisous. Passez une bonne nuit. À très vite. Ciao.